Bonsoir les redises, petit live impromptu, ça y est, on a pu redémarrer. On va remercier tout d'abord l'équipe des Brio, parce qu'on avait, on vous l'avait dit sur le live. Peu moins confort que quand t'es dans ton studio avec trois câbles en double, tout va bien. Première question, on va commencer avec une question bateau, mais une question simple. Quel est le nom du groupe que vous composez? Coming Cream. Coming Cream. Alors faut savoir, c'est que nous dans l'équipe, on est très fans de glam metal, et rien que le don nous avait mis l'eau à la bouche, effectivement. C'est le cas de le dire. Oui, justement, on va y aller dans la finesse et dans la beauté. Je vais faire un petit tour de table et je vais vous demander de donner votre nom et ce que vous faites dans le groupe. On va commencer par toi avec ton béret. Alors, je m'appelle Mathieu, je suis à la gratte rythmique, quelques cœurs, et puis voilà. Ok, suivant. Moi, je m'appelle Jérémy. Je suis à la basse et au cœur également. D'accord. Moi, je suis à la guitare soliste. Je m'appelle Florent et je crie un peu fort, d'accord, des fois, pour le chant. Et moi, Steve, à la batterie et je fais aussi les chœurs. C'est marrant, c'est parce que pour un groupe qui se dit cochon, il y a quand même beaucoup de cœurs là-dedans. Je trouve ça très mignon, bravo. Et encore, c'est pas notre meilleur organe. Tu m'étonnes. Alors, vous venez de vous faire une petite session sur scène, là. Vous sortez à peine de scène. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait combien de temps que vous avez préparé ça? Dites-nous tout. Oui, ça fait du bien. Ouais, ça, on savait qu'on allait jouer ici depuis pas mal de temps, parce que c'était prévu avant les confinements. Ouais, c'est vrai que ça a été reporté. Ça a été très long. Deux fois. Mais, ouais, deux fois. Mmh. Deux fois, mine de rien. Mais non, là, on avait déjà fait quelques concerts avant, mais c'était plutôt l'année dernière. On s'est préparé un petit peu, puis on travaille de toute façon un nouvel EP là en ce moment. Donc on travaillait en même temps l'EP que de préparer ce concert-là. Et donc voilà. Ça permet de se chauffer, ça permet de dérouiller un peu la machine. Et en plus, si on peut tester quelques sons en direct, voir si ça répond. C'est ça, totalement. C'est totalement. Parce que là, pour le coup, il y avait des nouveaux morceaux ce soir qu'on n'avait jamais joué sur scène. Cool. Des morceaux qu'on a joué rarement sur scène. Et beaucoup de morceaux du nouvel EP en fait. Donc, c'est un morceau qu'on va rajouter à l'EP alors qu'on n'avait pas prévu de le rajouter avant. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que le public a répondu du coup? Ouais. Je me doute, si t'as rajouté un morceau, c'est que ça a dû répondre, ouais, en face. C'était incroyable. Vraiment très bon concert, très bon public. Les Brio, c'est incroyable. C'est un très très bon festival. Super, c'est bonne ambiance. Clairement, on les remerciera jamais. C'est la première fois qu'on est venu, ils nous ont déclaré radio officielle. D'où le fait que quand on est revenu, on a dit ok. Bouge pas, on arrive, on amène le matos cette fois-ci. On vient pas pour de vrai, on fait pas de la figuration. Du coup, le petit retour de scène au Brio, ça fait du bien. Vous avez rajouté quelques morceaux. Ça faisait un petit moment que vous avez préparé ça, l'EP qui est en cours. Est-ce que vous avez déjà un nom d'EP ou... En fait, on a déjà un EP. Là, on en sort un deuxième. Ouais. Alors, le premier, c'est Premier Jet, ouais, qu'on peut trouver sur Bandcamp. Voilà. Non mais vous, faudrait... Ah putain, c'est beau ça. Faudrait que je vous mette en contact avec un groupe qui s'appelle Fatal Facial. Ah oui, yeah. Oh, le plateau magnifique. Il y a un split à faire là. Voilà, comme ça, la tête, ça fait la focus sur ma tronche et vous pouvez voir l'album avec la lumière. Voilà, premier jet. Du coup, là, vous avez carrément rajouté, pendant le live, vous dites, je vais rajouter tel et tel morceau. Vous êtes déjà en train de le composer, de l'écrire? Non, bah, en fait, là, l'EP, il est fini. C'est quasiment là, fini. Il est quasiment fini. On a un morceau encore à enregistrer et il va s'appeler normalement Lâche la pression. Moi, j'avais proposé On remet une dose. Je crois que c'était Rajoute une couche. Enfin, bon, on est encore un peu indécis. Non, mais, c'est ça. Mais enfin, bon, si tu mets les trois, le titre, il fait le tour de l'album. Ouais, mais faut qu'on en garde pour les prochains après. Tu vois, donc, ouais, mais ça peut te faire un album circonférence. On reste dans le thème. J'avais une question sur ça. Est-ce que vous avez déjà été décrié pour les titres de vos chansons? Parce qu'on va pas se mentir, Twitch, on peut pas tout te dire. C'est pas toujours très très. Alors pas du tout, parce qu'en fait on est plutôt porté sur la chose. Ouais. Voilà. Mais non, parce qu'en fait le principal chez nous, c'est la bonne ambiance, le côté festif. Et mine de rien, on a déjà parlé plusieurs fois avec Florent, avec pas mal de médias. On est en fait, on réécrit pas mal de paroles pour justement ironiquement. Ça soit ça. Voilà. Non, mais plutôt que ce soit que nous, on assume de les chanter. Ah voilà, mais justement, et voilà, ça marche très bien parce que même d'ici, j'entendais le public foutre le bordel, donc tout va bien. Voilà. C'est cool. Pour ça que je vous ai cité Fatal Facial, mais ils sont clairement
dans le même segment de vous. Et en vrai, en musique, tu peux te permettre de dire à peu près tout si tu le fais avec un peu d'ironie, avec beaucoup d'humour et que tu l'assumes à fond. Là, ça a l'air d'assumer chez vous, tout va bien. Alors, on assume, mais justement parce qu'aussi, il y a des. Alors, c'est pas des morceaux de l'EP. On a beaucoup parlé avec Florent. Il y a des morceaux qu'on a un peu, tout petit peu réécrits parce qu'on on trouvait les paroles vraiment trop sexistes, par exemple, tu vois. Et ça, on. On a pas mal de vieilles reprises qu'on fait, mais là on les a pas fait ce soir parce que c'est des choses qu'on fait quand on a deux heures de set ou des trucs comme ça. Là vous avez joué combien de temps? Un peu moins d'une heure parce qu'on a eu des petits problèmes. Petit problème technique. On a dû sauter deux morceaux qu'on avait prévu de jouer. Ça va, une heure de set, ça reste un bon set quand même. Mais bon, pour la petite histoire, c'est que quand on devait jouer, donc il y a deux ans, avant le premier confinement, on avait tout juste de quoi remplir un set en fait. Et le fait de rester deux ans sans pouvoir venir, du coup, on a dû faire le choix dans nos morceaux. C'est les mecs qui sont arrivés, merde, il y a trop maintenant. Donc c'est assez rigolo quand même. Donc du coup, on a pu se permettre effectivement de mettre des nouveaux morceaux qui sont tout frais, qui viennent d'être brisés. Et puis des trucs qu'on avait depuis 3 ans qui étaient déjà restés. Clément, dis-moi. Mon petit Gilou, est-ce que tu as tes questionnaires habituels sous la main ou pas? Ouais, tu peux pourquoi les avoir. Il te faut mon téléphone, il te faut un truc. Il faudrait mon téléphone que tu utilises pour la connexion, ce qui va être un peu compliqué. Je vais te donner le mien. Ouais. Et on va se faire quand même un par groupe, un jingle, une scène à l'envers, une connerie. Ouais, bien sûr. Tu vois, on peut réutiliser un truc. Alors, tu sais que mes questionnaires, va falloir que je te fasse les questions en live parce que d'habitude, je les écris une semaine à l'avance. Bah, tu reprends celle des anciens. Ils sont retirés, mais va falloir que je fasse à la rage. C'est pas grave, t'inquiète pas. J'en ai un pour eux. On a tiré à des sons là. Connaissant le groupe, est-ce que vous connaissez les blagues du quelque chose que tu peux dire à Kana, mais pas à Tada? Ça vous va? Oui. Ok. Première question. On va faire un tour de table parce que c'est le petit truc qu'on fait un peu pour soi. Quelque chose que tu peux dire à ton groupe, mais pas à ta femme. Chacun une réponse. Réfléchir un peu. Garde le rythme. Oh bien, joli, c'est sale. Enfin moi j'aime bien le dire à ma femme aussi. Hein. Bon avis j'en ai pas encore, donc bon par contre faut qu'elle tienne le rythme. Alors un truc que tu dirais à ton groupe mais pas à ta femme. Ou bien un truc. Un truc que je dirais à mon groupe mais pas à ma femme. On s'arrête là. Ouais c'était pas trop mal. J'avoue le vex. C'est ça un coup à faire des farces et des danses. C'est un coup à dormir sur le canapé, c'est pas bon. Et encore, le canapé dans le garage. Chez le voisin. Sous la voiture. C'est ça. Pour toi là-bas. Attends, attends. Que tu peux dire à ton groupe et pas à ta femme? Il y en a plein. Ah ouais. En vrai, c'est parce que je suis pas musicien, mais je pourrais en dire plein. Avec un rapport avec notre instrument ou pas? Oui, tu peux. D'accord. Ah là, il y a l'idée, ouais. Un peu de spontanéité quand même, bordel, merde. Putain, vous passez pour des intellos là. Le rappel était inutile. Il y a c'est le questionnaire le moins intello. Mais non, en fait, tu peux le dire aussi à ta femme, mais tu peux lui dire aussi et à ton groupe. C'est un peu long. Quel bel organe. Quel bel organe. Non, on fait un guest. On fait un guest. Grave. Allez, ah, mais tu sais, il y en a qui disent ça à leur femme aussi. Ouais, mais ils finissent célibataires. Hein. C'était un peu dur là, non? Oh, celle-là, j'avoue, elle est belle. Alors, elle est bien rentrée. Attention, mal, une question. Oh putain, elle est crade celle-là. Je viens de la prendre en pleine gueule au mode. Ah ouais, propre. C'est marrant, c'est ce qu'elle disait aussi hier. Ouais, tout à fait. C'est marrant, il y avait beaucoup de monde. Enfin, maintenant, quelque chose que tu peux dire en fin. Ah, mais je savais bien que je t'ai déjà eu. C'est dégueulasse. Quelque chose que tu peux dire en fin de concert, mais que tu dis pas au repas de ta belle-mère. Et techniquement, on vient de donner deux réponses comme deux vieux salauds, mais. Putain, c'est vraiment de la merde. Oh, c'est bon. T'aimes le canapé sous le lit. Pas mal. Les trois autres. Elle est dure celle-là. Elle est dure. Attends. Non, là, je pense à ma belle famille, tu vois. Malheureusement, j'aime bien ma belle famille. Alors, c'est pas facile. C'est surtout une bonne réponse. Pour la blague, c'est que quand même. Le batteur, c'est mon beau-frère. Alors, on peut pas tailler. Ouais, mais tu peux y aller. Hein. Tu peux te lâcher. On aime foutre la merde jusqu'au bout. Tu peux y aller, lâche-toi. Ça, c'est l'avantage des lives où rien n'est prévu. Voilà. Tu tombes dans cette situation. Oh merde. Attends, mais putain, ils sont tous sourds. J'avoue, les vieux, mais putain, ils sont tous sourds. Non, parce que quand on a des problèmes avec l'ingé son, les retours, les machins, les trucs et tout, putain, ils sont tous sourds. Si tu ressens ça en belle famille, ouais, c'est moyen. Bon, il est où le cachet? Oh, joli. Le mec, il se fait payer pour venir bouffer. Ah, putain, c'est beau.
J'ai réfléchi. C'est pas simple hein, quand même. Mais non, c'est fait exprès. Ouais, ouais, mais normalement, dans l'émission, c'est vrai que normalement, on discute un peu plus et je fais ces trucs-là pour se reposer, faire un peu de la merde. Ouais. Mais ça marche bien, c'est drôle. Surtout que des fois, tu t'en croises un ou deux, tu dis ouf, il y a le démon en eux. T'sais. On rentre quand? Oh, t'es crade. Ah, l'horreur. Tu rentres en belle maman, toi. Ah, bah oui. En même temps, on l'a tous pensé, ça. Genre après le dîner de belle famille, le moment de bon, on rentre quand? C'est pas qu'on se fait chier, mais on a de la route, tu sais. Je voudrais revenir sur une question un peu plus lambda. Qui compose et comment vous composez? Oula, on va en fait, alors, il n'y a pas vraiment de compo parce que déjà on part souvent sur des bases de reprises qu'on modifie dans tous les sens. Mais en fait, les modifications des fois sont plus compliquées que de faire une compo. C'est toujours très compliqué. Parce que pour en faire quelque chose de bien, des fois ça peut être très compliqué. Voilà, c'est ça. Pour être tout à fait honnête, on attend qu'en gros il y ait deux membres du groupe qui soient à peu près d'accord sur un morceau. Alors, ça, des fois c'est compliqué. D'accord. Alors, ça peut être compliqué. Souvent c'est Flo et moi, faut être honnête aussi. Non, on fait les médiateurs. Des fois, c'est Flo tout seul aussi, faut le dire. Ah oui, des fois, c'est moi aussi tout seul. On teste, on tente quelques répètes, et si au bout de quelques temps, on se rend compte que ça marche pas, on arrête. Et il y a tout un travail aussi, avant de travailler la chanson, entre nous, d'écouter, d'écouter différentes chansons, différentes influences, parce qu'on a tous, on vient tous de milieux différents en termes d'influence. Cool. Et ce qui fait que On présente un peu les sons et voilà, dit tiens, qu'est-ce que t'en penses et tout. Ah ouais, mais si, moi je connais ça, nanana. Donc on échange un peu nos points de vue au niveau artistique, musical. J'allais te dire que vous faites de l'écrémage, mais le jeu de mots est pourri. Ouais. C'est vrai. C'est un peu ça, on fait du tri un peu dans tout ça. Après, une fois qu'on s'est arrêté sur une version, tu vois, enfin une chanson, après on écoute différentes versions. Tu vois, parce qu'il y a plein d'artistes maintenant qui font des reprises, des voilà, reprises dans tous les donc sens. On regarde à peu près par où on peut aller, tu vois. Et c'est dégueulasse. Voilà. Et une fois que c'est fait, après on rentre dedans. Ah, bien jusqu'au bout. Le mec rajoute du Non, mais tu vois, après ça va être dans l'autre sens, par exemple. Les morceaux qui sont tout seuls. Dans l'autre sens. Récemment, on a repris Toxic de Britney Spears. Ouais, on a entendu les profs. Je crois que c'est la première fois qu'on fait sur scène. D'ailleurs. C'est la première fois qu'on l'a fait sur scène. Ouais. Et Flo et moi, on aime beaucoup la version de Static Lullabies, qui est un groupe de métal. Et on a été dans le sens totalement différent, en fait. C'est-à-dire qu'on le trouve bien, mais on s'est dit, c'est pas ça qu'on veut faire. Ouais, moi j'aimais bien l'idée, mais j'aimais pas l'exécution. C'est ça. Et pour le coup, sur la question de c'est pas tellement s'inspirer d'autres mecs qui font des reprises, c'est voir comment ça s'est fait. Qu'est-ce qui s'est fait pour pas faire... réussi à tourner la chose pour voir si vous pouvez le faire à votre surtout, sauce. Non, surtout pas copier des mecs qui ont déjà repris. Oui, pas faire deux fois la même chose. Quoi. Non, le faire à sa sauce, ça n'a pas d'intérêt. Et à l'inverse aussi, te dire, là vraiment c'est un bon exemple, je trouve, de t'écoutes un groupe, tu te dis, ah on aime bien le groupe, on aime bien la reprise, mais nous on la veut pas du tout comme ça. C'est vraiment la mauvaise version. Ok. Et après, il y a aussi des morceaux, ça rentre tout seul, sans pour le cas de dire. Oui, bah t'as des morceaux qui font. Non, mais comme Visbou de Sinatra, si tu veux, quand on a voulu se la jouer en version rock un peu plus énervée, c'est arrivé tout seul, qu'en fait. Parce que c'est l'exercice se prêtait. C'était comme si un groupe des 70 le reprenait à ce moment-là, tu vois. Donc y a des fois, on a des facilités aussi avec des morceaux qui se prêtent très bien au jeu. Justement, quand vous parlez, parce que votre groupe propose vraiment différents styles, différentes chansons, j'aimerais savoir vite fait, chacun d'entre vous, deux styles où, qui vous portent vraiment. Parce que comme tu dis, vous avez chacun des inspirations différentes. Donnez-moi deux chacun. Moi, deux. Ça va être compliqué. Ah, faut choisir. Non, c'est pas si. Gros métal, bien vénère quand même. Ouais. Moi, je suis plutôt très, très, très métal. Et en fait, j'aime bien tout ce qui est musique latino et tout ça. Oh, bah tu t'entendras très bien avec nous. Suivant. Ouais. Cet après-midi, on mettait du latino twerk ici, hein. Faut pas rêver. Alors, moi, c'est le punk rock californien et le rhythm and blues. Trop bien. Je valide. Spider-Man, c'est Moi, ce serait le metal des années 90 d'un côté et. Alors, je suis désolé, Flo, hein, mais ça serait vraiment la musique symphonique du 19e siècle. Oh putain, l'écart est violent, mais c'est bon. Mais ouais. Et pour toi? Moi, le vieux reggae jamaïcain. Et puis après, bon, il y a déjà des choses qui ont été dites, mais aussi pas mal le rock 70, quoi. D'accord. 60-70, ouais, je suis assez... Et on va finir avec une petite question toute simple. Si vous avez un dernier mot à dire au Brio et à tous les gens qui sont venus vous écouter, ce serait quoi, chacun votre tour? Merci. Simplement, merci d'être là, merci pour l'ambiance. Et surtout, merci pour la bière. Tu m'étonnes. Pour toi. Revenez. Ouais, grave, il faut que ça continuez, continue. Revenez.
c'était faut que ça perdure, faut que ça vive, faut que voilà, il y a besoin de toujours de gens, de filles, voilà, il y a besoin de bénévoles, de plein de choses, mais faut que ces festivals là ils vivent quoi, faut les... Je rêve ou t'as dit continuer à revenir. Ah, je sais pas, j'ai. C'est pas grave, on verra ça en rediff. Voilà, oh, tu couperas. Ils ont un peu tout dit. Moi je vais dire burp, c'était cool, on se marre bien et faut que ça continue, ouais, c'est ça. Et surtout les bénévoles, ils ont le cœur sur la main. Ouais. Et ils font leur possible pour, bah, pour t'aider, pour t'arranger, pour. Voilà. Et donc c'est un festival familial, c'est vraiment voilà quoi, c'est. Eh ben écoutez, ça vient de loin. J'allais dire, pour finir cette émission, c'est juste parfait. C'est continuer à faire vivre ces petits festivals et ces faits concerts. On en est la preuve aujourd'hui. Les Brio, c'est un truc très familial qui paraît peut-être petit, mais on s'éclate. Ils nous ont invités comme des rois. Pareil, les bénévoles nous ont adorés, nous ont aidés de ouf. Juste, bah voilà, kiffer, continuer à faire vivre ce son. Au moins, les gars, avant de couper le live, j'ai une dernière question. Je sais pas si vous avez du merch ici, mais c'est aussi le moment pour vous de faire un petit peu de promo sur vos réseaux sociaux, sur ce que vous avez en merch, sur vos prochains concerts, sur tout ce que vous avez à dire. Alors là, on a sorti un. Ça s'appelle la promo en 30 secondes, attention! On a sorti un EP il y a quelques temps avec le label Trauma Social, qui est un label de punk. Donc le premier EP s'appelle Premier G. On est en train de travailler sur un second EP. On n'a pas pour l'instant de concert prévu, mais ça va arriver très bientôt parce que ça se programme vite. Yes. On espère vraiment vous voir rapidement. On est sur Facebook, sur Instagram. Il me reste encore du temps. Bandcamp aussi. Bandcamp. Le EP est téléchargé, acheté sur Bandcamp. C'est surtout ça qui est important, mec, parce que le reste, on s'en fout. Achetez notre CD! Voilà! De l'ordre et de la discipline! C'était parfait. Eh ben écoutez, on se retrouve pour un prochain live. On sait pas quand, on verra. On est en extérieur, donc on fait un peu ben, quand on, comme on peut. Eh ben, c'est déjà pas mal. Bien, je vous remercie tous d'être venus. Bah, merci, cette c'est cool. Merci à vous d'exister. Et puis, bah, on fait de notre mieux, les gars. Nous, on est déjà hyper heureux d'être là, tout va bien. Alors, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos des lives de ce soir, de demain après-midi, de demain soir sur le Twitch de Fréquence Métal. De toute façon, vous connaissez. Pendant deux semaines, ils seront disponibles sur YouTube. On vous transférera les vidéos. Il faudra nous contacter. On va vous donner une carte de visite. Il faudra m'envoyer les logos, tout ce qu'il y a comme information. On vous fera histoire qu'on fasse un gros montage pour YouTube, en fait. On vous fera un petit truc. Et puis, bah, merci à vous, les gars. Bah, ouais, merci à vous. C'était très sympa. C'était cool. Kiffez bien votre soirée. Oh bah, c'est clair. En plus d'un attention bon moment, avec modestie, bien sûr. Voilà, en plus d'un bon moment que vous avez fait, vous nous avez permis de valider que l'install marche. Pour oui. Nous, c'est bénéfique. Voilà. Oui, voilà. Vous êtes c'est les bêta-testeurs. Celui-là, il est pour toi, il est cadeau. J'adore les dépistages. Oh, merci. Du coup, on est réinvité pour une soirée très longue où on pourra parler de bah, tous nos sujets préférés. Dès que votre deuxième EP est prêt, voilà. Les gars, ça sera avec plaisir, en tout cas. Surtout qu'avec un groupe comme ça, on a des copains à vous présenter. Ah, mais prêt, pas de problème. Donc voilà, Fréquence Métal, attendez-vous à les revoir. On revient au plus vite avec un prochain live et puis bah juste kiffez votre soirée, profitez et à la prochaine. Et salut les gars, salut, merci.